les volcans du monde redoublent d'activité. Ceux du Kamchatka, en Russie, au sud-est de la Sibérie, n'échappent pas à la règle. Ils sont au nombre de 200, dont une vingtaine en perpétuelle effervescence. Les grands volcans actifs de la péninsule du Kamchatka sont situés principalement le long de la côte de l'océan Pacifique. Ils font partie d'une énorme chaîne d'autres volcans se poursuivant sans interruption vers le Japon et en direction de l'est par les îles Aléoutiennes jusqu'en Alaska. Ils forment la barrière de feu du Pacifique. Plusieurs éruptions se produisent chaque année sur ces grands stratovolcans et certaines d'entre elles peuvent présenter des dangers pour les populations. Depuis quelques années, les autorités politiques et scientifiques russes travaillent sur un programme de prévision des éruptions. Au sein de l'Institut de vulcanologie de Petropavlovsk, un groupe appelé STORM a ainsi été formé. Ce groupe est composé de géologues, de géophysiciens, de géochimistes et de cinéastes, toujours prêts à être déposés en hélicoptère ou à monter à pied sur un volcan en pleine éruption afin d'effectuer les premières observations et des prélèvements d'échantillons de lave et de gaz. Vladimir Ivachenko, cinéaste russe et journaliste, a suivi et filmé ces scientifiques en action sur le terrain au cours des principales éruptions de ces 20 dernières années. Mars 1993, héliport de Petropavlovsk, Kamchatka. Ivanchenko retrouve ses amis vulcanologues, Vladimir Andreev, Alexander Ovsianikov et le pilote spécialiste des déposes sur les volcans, Vladimir Samarsky. Ces hommes se connaissent bien pour avoir vécu ensemble plusieurs éruptions volcaniques les plus importantes des deux dernières décennies. Ivanchenko est devenu le cinéaste spécialiste des phénomènes volcaniques. À présent, il réalise pour la télévision de Petropavlovsk un film plus général sur les volcans du Kamchatka. La péninsule s'étend sur une longueur de 1300 km. Volcan est presque synonyme de Kamchatka. La presqu'île en est couverte et leur altitude varie de 2500 mètres à 4800 mètres.